bam 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 Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu faire d'autres vidéos en fait sur mon Vogue. Ouais, le temps est pas terrible. En ce moment, je la sors pas beaucoup. Donc sinon, ça marche quoi. J'ai roulé avec. Je referai une vidéo plus tard. Là, je reviens de chez un collègue, Jean-Jean et Aurélien, donc qui ont le petit magasin. Il avait ça qui dormait déjà depuis un petit bout de temps. Je voulais la récupérer. Elle n'allait pas à moi. Elle est à Jean-Jean et puis. J'en avais marre de la voir en fait mourir comme ça dans l'atelier quoi, à l'arrière. Donc en fait il est pas au courant Jean-Jean, mais je lui ai taxé. Je l'ai mis dans mon fourgon. Et puis rien que par plaisir en fait, et pour lui quoi, j'ai envie de la restaurer. Lui remettre un petit peu tous ses chromes et puis voir un petit peu tout ce moteur. Et puis y aller tranquillement dessus avec son pot d'origine et tout. Et lui remettre en route parce que... Comme vous voyez, en fait, il tient à cœur. Je sais plus quoi, il appelle Lulu, je crois. La fourche est pliée devant. Je dois avoir des fourreaux ici. Voilà quoi. Donc j'aimerais bien lui remettre en état. Et puis, ouais, lui remettre en route, quoi, qu'il repose ses fesses dessus. Ça fait déjà quelques années qu'elle est en train de dormir à l'arrière. Donc, on va essayer de remettre ça en route, quoi, changer ses vilaines poignées. Et puis essayer de le remettre au maximum dans son origine quoi. Donc c'est un peu plié parce que il avait pris une gamelle avec. Donc ça lui a coûté quelques points de suture. Mais il y tient quoi. Donc moi j'avais essayé de le racheter et puis il n'y a rien à faire quoi. Mais je lui en veux pas parce qu'il m'a ramené un petit GT10 en échange. Et puis voilà quoi. Donc non, vraiment génial. On va essayer de s'occuper de ça quoi. Allez, ciao. Jean-Jean. Voilà, ça se peint. C'est pour toi. Et oui. Donc là, je pense que j'ai repassé une couche, c'est pas mal. C'est pas au top. Je suis pas à la perfection. Là, les carters. Bon, ça, c'est le petit défaut du pot. Alors, j'ai pas voulu en jouer avec ça parce que de toute façon, il va brûler. Il y a toujours cette petite fête peau d'orange, quoi. Je comprends pas le réglage. Pourtant, j'essaie vraiment de faire attention. Là, je vais repasser une couche vite fait. Avant que ça tire trop. Là, je suis dans les clous. Le cadre, lui, je refais plus rien. Bon, de toute façon, tout ça, la plupart, c'est caché. Et lui, il est pas mal, quoi. C'est ça, je comprends pas. Là, on voit, il... Bon, je continue sans balancer. Bon, la suite. Bon, c'est sorti de cabine. C'est un truc de fou parce que quand on regarde sur la vidéo, en fait, on a l'impression qu'elle est orange phosphorescent, qu'en fait, elle est beaucoup plus claire. Donc, comme je vais faire une petite vidéo aussi pour ma chaîne, donc j'en profite, quoi. C'est vraiment la couleur là, elle fait phosphorescent, mais c'est pas du tout ça. C'est le réglage de mes couleurs de portable, je sais pas. Donc, elle est beaucoup plus claire. Bon, la fourche, voilà, propre, monter le garde-boue à l'avant, le feu noir, bon, j'ai encore tout le système électrique à passer, je vais voir ça après, les poignées, bon, elle reste un peu dans son jus, hein, parce que c'était celle qui avait été, il avait pris une gamelle, et j'ai déjà essayé de redresser ses poignées, là, j'ai essayé de chauffer, j'ai passé à l'étau, et j'en ai pété, donc je prends plus le risque,
Après, si on veut aller plus loin dans la restauration, bah, on essaiera d'en acheter, quoi. Mais là, c'est chaud, chaud, chaud. Brossier à monter, tout repeint, propre, béquille, présenté, le ressort à mettre. Pour l'instant, je le mets pas, quand il sera debout. Suspension, repeinte, poli, garde-boue arrière. Donc, ce que j'ai fait en fait aussi sur le garde-boue, parce que je voulais faire une vidéo là-dessus. Il va pas faire le point. Ici, en fait, il est fissuré. Tac. Il était fissuré des deux côtés. Je repasse de côté. Est-ce qu'il va faire le point? Voilà. Tac. Il était cassé là aussi. Ici, il se cassait. En fait, c'est parce que par rapport à un choc arrière, quoi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai. Donc, qu'est-ce qui va zoomer en dessous? Avec, dès que je mets la main. Donc voilà. Donc en fait, j'ai relevé. Oh, c'est pas vrai. Yeah. J'ai relevé les lèvres ici, tac, à déplier. Et ah, c'est ouf. Il va pas faire le point. Ah, désolé, voilà. Donc en fait, j'ai plié là. J'ai mis une tige à l'intérieur, donc en fait j'ai pris les tiges qu'il y a sur les rivets. Donc quand on met un rivet, il reste une petite barre. Et la barre, je l'ai mis dedans et collé, bon bah moi avec une colle du bâtiment quoi. Et une gutta, une PU, une colle. J'ai mis la tige à l'intérieur et j'ai replié ça sur la tige. Et ça l'a durci quoi, mais c'est nickel quoi. Donc voilà. Donc petite astuce si vous voulez le récupérer et puis que bah ça se découpe pas plus. Hein, voilà. J'ai fait ça des deux côtés. Bon, la colle dedans, c'est pas grave, on la verra pas quand on est debout, hein, on voit pas. Bon. Ici, on est en Bretagne, donc. Et c'est incroyable la couleur, c'est pas du tout ça en fait. Alors, je sais pas si ça fera mieux. Donc voilà. Dessus, qu'est-ce que je peux dire? Un petit réservoir, JT10. Que j'ai jamais affilé. Donc je l'ai décapé. Et c'est tout chromé en dessous. Ok les gars. C'est tout chromé, mais je vais le repeindre. Je vais pas faire un GT10 full chrome. Hein. Non, non. C'est. Voilà. J'ai commencé à le nettoyer. Il était rouge. Moi, je le ferai orange. Je préfère. Voilà. On peut commencer un petit peu à le polir et tout ça, quoi. Mais bon, ça, c'est le projet plus tard. Parce que là, je sais plus où donner de la tête, en fait. Réservoir. Réservoir, il est là. Bon, pareil. Effet petite peau d'orange. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Hein. Je comprends pas le réglage. Ce que je vais faire, c'est je vais le reponcer. Le reponcer au mille un peu quoi pour histoire de casser, mettre les stickers, donc tous les stickers c'est trait avec son rond ici là, tac tac, et puis le revernir. Donc je vais aller chez un collègue je pense, parce que là faut qu'il m'explique le réglage parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Donc je pense que, enfin j'ai une idée du truc, mais je pense que ma cabine elle évacue pas assez les solvants en fait. Ça reste un peu dans la pièce et je pense que c'est ça qui me fait l'effet peau d'orange. Il faut que j'ai un truc qui aspire encore plus quoi. Donc voilà. Donc bah le réservoir autrement bah, il est prépeint. Puis bon un petit ponçage au mille, les stickers, revernis par-dessus. Et je pense que ça va le faire. Donc voilà là, un petit peu les news. Cette petite Tessa qui va reprendre vie, mon Jean-Jean. Hein? Donc voilà. Et puis Noura, petite. Petite parenthèse aussi, là j'ai acheté chez 50 Factory là. Donc c'est imitation, souvent c'est des reproductions. Des carters, donc c'était sur le HPL. Et puis bah mon TSM quoi, que je voulais le remettre. Je les ai pas en noir un peu. Ouais. Hein. Après ils sont pas chers. Mais franchement, c'est bien que 50 Factory nous reproduise ça. Donc voilà quoi. Donc, bon normalement quand vous allez voir la vidéo, j'espère. Bah, je passe dans le petit catalogue 50 Factory. Donc je suis hyper content. Enfin j'espère que ça va se faire. Parce que bon pour l'instant, elle m'a dit que c'était bon, mais hein, on sait jamais. Je m'avance peut-être. Mais normalement je serai dedans. Donc c'est pour ça que bon bah je prends beaucoup de pièces 50 Factory maintenant. Et puis bah, parce que pour les remercier déjà. Et puis comme ça, bah, ça me permet de tester, puis de voir un peu ce qu'ils ont. Donc voilà.
Bon, bah, suite plus tard. Allez, Kenao. Bon, la suite. Ça vient d'avancer, là. Bon, ça fait quelques semaines qu'ils sont passés. Bah, pour l'instant, j'avais pas édité les vidéos parce que bah, je bosse sur la mobilette et puis, bah, je veux pas trop qu'ils la voient tout de suite. Donc là, bah, ça y est, on commence à arriver au bout, on voit la fin. Donc voilà, quoi. Par rapport à quand elle est arrivée la dernière fois à la maison. Donc elle a été repeinte, réservoir, les carters, le cadre. J'ai pas repeint les cages plastiques. Voilà, je les ai gardées dans son jus. Ils sont bien, ils sont propres. Il reste du orange, un jour il veut les peindre. Alors, de toute façon, je vais faire une pose de stickers. Sur le pot, il me reste les grilles à mettre. Voilà, que là, j'ai fait un essai moteur. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? La lumière, j'ai encore à finir. Pas fini. Voilà. Donc on voit que c'est ouvert encore ici. Voilà, ce que j'ai fait, les essais moteurs. Bon, c'est pas une bête de course. On va essayer de voir ça un petit peu plus tard. Hein. Peut-être que... Je sais pas, je vais voir avec Jean-Jean s'il veut mettre un petit kit dessus quand même. Histoire juste de booster un peu le cylindre. Et puis, bon, que ça, ça fonctionne un peu mieux. Quoi. Dessus, qu'est-ce qu'il reste? Donc, bah, tout le compteur, pareil, j'ai restauré. Donc, il faut que je trouve un câble. Parce que j'ai deux câbles de différentes longueurs. Et ça va pas dessus. Et franchement, tout ce qu'ils reproduisent maintenant, c'est de la merde. J'ai essayé de mettre le câble là d'entraîneur, de compteur, et ça tourne pas. Ça prend pas, en fait, en bas. Ça prend pas dedans. On entend qu'il clique, 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 clique. En fait, ça tourne pas. Le carré est trop petit par rapport au trou et au câble. Enfin, c'est la merde. Ça fait chier de foutre du pognon, et voilà. Enfin, bref. Bah, le petit bouchon, voilà. J'ai juste nettoyé, toi, le garder dans son jus un petit peu. Dessus, j'ai une petite peau d'orange qui est toujours créée. Voilà, on va la laisser comme ça. Là, c'est, voilà. Ça, c'est du temps. Et puis, peut-être qu'un jour, elle aura un vernis quand je mettrai les stickers. Peut-être remettre un petit coup de vernis dessus, un ponçage léger au-dessus, quoi. Et puis, bah, faire un coup de pétard carrément sur tous les stickers, tout pour les protéger. Donc, à voir. Ici, toujours poignée tordue. Bon, franchement, j'ai essayé de redresser, moi, déjà, deux. Elles ont pété, hein. Pourtant j'ai beau chauffer un petit peu, y aller tranquille et tout, et on voit qu'elle a bien plié celle-là, elle est bien tordue. Donc bah, j'ai récupéré déjà celle-ci sur une autre. Et puis bah non, j'ai pas mieux. J'ai pas mieux, autrement, faut en acheter. Donc voilà, j'ai pas refait la peinture pareil de ça, j'ai gardé dans son jus, elle était propre celle-ci encore, donc ça allait. C'est pas les mêmes modèles. Là, j'avais jamais fait gaffe chez Peugeot, en fait, il y avait deux modèles différents. Donc celui-là, le modèle est creux à l'intérieur. Il y a un modèle plein, comme celui-là, qui est brillé, quoi. Donc, dans un sens, ça aurait été ça, puisque ça aurait été plus facile à redresser, je sais pas. Donc, mais c'est une poignée que j'ai récupérée sur le GT10, hein, pour qu'il soit complet. Le feu, c'est pareil, hein, je l'ai nettoyé, mais il est toujours rayé, hein, elle a été accidentée. Donc, voilà. Un grand merci à Gwen aussi pour le redressage de la fourche. Franchement, champion. Ça lui a coûté un pouce, enfin du moins un ongle. Il s'est coincé le doigt entre deux. Ça lui a fait un truc. Voilà quoi. Donc, il s'est donné de sa personne. Donc les jantes, pareil. Bon, les jantes, on a essayé, j'ai essayé au Karcher de machin. Et puis bah en fait, tout chrome s'est barré. Donc on va tester un produit, une peinture qui fait des chromes de chez Stardust. Je vais tenter, j'ai pas de je touche pas de pognon par eux, hein. C'est juste comme ça. On a vu ça et c'est une peinture chromée, ça a l'air pas mal. Donc on va tester sur ma GT10, sur ses jantes quoi. J'ai remis les pédales, avant il n'y avait pas les pédales, donc j'ai remis les pédales. L'allumage, le recalage, ça c'est plutôt fait comment dire à la perfection, si je peux dire à l'arrache. Je sais pas, j'ai calé le cylindre direct comme ça, tac tac, point de repère, boum, boum. Un coup de pédale, elle a démarré nickel. Donc formidable, c'est du Peugeot quoi. La salle pareil, hein, la salle elle a pas, c'est pas une restauration complète. Hein. Là on a bouché les trous un peu là où ça craquelait, donc ma femme a fait ça. Elle a réparé un petit peu pour plus que ça déchire trop. Pareil au-dessus, on voit, il y a eu des accros, mais on a remis un morceau en dessous. Hein, et tout le côté, elle a réussi à passer une pièce derrière et coller. Hein, et de la couture. Grossière. De la couture quoi. Ok, voilà, après c'est à voir s'il veut faire une restauration de la selle aussi. J'ai pas remis son accroche, qu'il avait une accroche remorque à l'arrière. Donc voilà, et puis après bon, j'ai pas trop fouiné, mais je pense que ça devait être pour mettre après les clignotants dessus, donc ou le porte-bagages. Donc lui trouver un petit porte-bagages, ouais, ça serait cool. Parce que c'est ce qui lui manque à l'arrière.
il manque un truc. Sinon, le son est sympa, et puis bah, j'ai roulé un petit peu devant, là, c'est nickel. Bon, bah voilà, bon, bah, fait que pose le stickers, et puis je vous montre ça, la puce. Bon, bah voilà, c'est terminé. Avec ces petits stickers. Bon, ça a été. Bon, la qualité des stickers, ouais, je pense qu'en fait elle aurait besoin d'un petit coup de vernis dessus. Je pense que ça serait bien. Donc voilà, la bête. Bon, plutôt sympa, non? Je pense qu'il y en a un qui va être content. Vu comment on l'a sorti de là-bas. Hein, donc j'ai remis ces plaques là par rapport à tout à l'heure. Là, j'ai roulé un peu avec les petits rétro qu'il y avait dessus. Alors. Bon, comme je disais, un petit porte-bagage à l'arrière, ça le ferait, ça l'habillerait à l'arrière. Voilà. Bon, bah voilà. Hein, une affaire qui roule. Des petits réglages, carburation, toujours la lumière. Bon, pour aujourd'hui, pour moi, c'est bon. Hein, on va s'arrêter là. On verra ça demain, la lumière, c'est comme il faut que je mette le moteur en route, on est dimanche, donc j'ai pas envie de faire chier mes voisins. Donc voilà, bon bah, canavo, et puis j'essaierai de prendre un petit peu TSA, TSM, mais l'argent à récupérer un TSE aussi, donc pourquoi pas. Donc on va la remettre en route, et puis prendre des photos, faire une petite vidéo, et puis même une balade avec les trois, quoi. Donc voilà, bah allez canavo, ciao.